Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pio Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Tatiana Ventose. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vidéaste, on peut retrouver toutes vos vidéos sur YouTube, elles sont vues des centaines, des milliers de fois. Vous venez de publier « Jusqu'ici, tout va très mal » aux éditions Plomb, un antidote au chaos politique, dites-vous, et que vous avez coécrit avec Greg Tabibian. D'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui? L'État, essentiellement, bon là on parle du paysage politique, mais c'est pas tant le paysage politique en lui-même, parce que c'est bon, c'est une comédie, mais c'est ce que ces gens font au pays depuis 40 ans. C'est ça l'objet de vos vidéos aujourd'hui sur YouTube, principalement, c'est justement dénoncer ou en tout cas critiquer le système dans lequel on vit, les politiques, le fonctionnement de nos institutions. Oui, pas juste critiquer, mais analyser aussi pour comprendre un petit peu comment ça se passe, quels sont les intérêts qui sont en jeu, et quand même proposer des solutions, on essaye. Vous faites de la politique en faisant ça? Oui, complètement. Oui, c'est politique au sens où ça apporte quelque chose, ça apporte un regard à la vie de la cité, à la vie ensemble. Donc oui, forcément, c'est de la politique. Après, je vous dis ça, on vient de lancer un mouvement politique en vrai, donc... C'est comme tout, en fait. Il y a un moment, rester assis et critiquer, c'est très bien, analyser, c'est très bien. Mais on avait envie de faire, on avait envie de proposer aussi quelque chose. Et dans l'état actuel des choses, même si on n'y arrive pas, tout est bon à prendre. On va revenir sur le mouvement, mais d'abord, le livre commence très fort. Puisque vous dites, depuis le temps, on commence à savoir que les politiciens se foutent royalement de nous. La plupart sont là avant tout pour vivre à nos crochets. C'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système politique? C'est les institutions, c'est les hommes, c'est tout ça? Dans la mesure où c'est les hommes qui font les institutions ne sont pas un problème en soi, elles sont un moyen de faire passer des lois qui permettent à tout le monde à peu près de vivre en harmonie sans trop se taper sur la gueule. Le problème, c'est que les hommes qui sont dans le système politique, donc tous ces gens qui font partie de cette comédie qu'est le paysage politique français, sont au mieux incompétents, au pire, mal intentionnés et malveillants. Donc, à la limite, peu importe, le problème, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font et qui ne représentent pas non plus, quoi. Comment vous voulez qu'un politique qui se plaint qu'il perd en salaire en étant élu député puissent nous représenter correctement? Ils n'ont pas le même train de vie que nous, ils ont pas ils viennent pas du même milieu social, la plupart, hein, je dis pas qu'il n'y en a pas qui sont là et qui font leur boulot, mais de fait, ça les empêche de faire leur travail correctement, à savoir nous représenter, représenter la voix des citoyens et représenter le pays. Vous dites, le livre est vraiment très drôle, il est assez provoquant sur bien des sujets. Et parfois, on a quand même l'impression que la politique serait une question de bon sens dans votre propos. Il faudrait juste de la volonté politique pour qu'il n'y ait plus de SDF, pour qu'il n'y ait plus de trafic dans les quartiers, vous dites. Quelle place vous faites à l'idéologie, justement, aujourd'hui, et aux convictions en politique? La conviction ou l'idéologie, c'est pas tout à fait la même chose. Les convictions, il en faut pour pouvoir défendre, justement, des idées qui permettraient à tous de vivre mieux. Aux idéologies, je vous cache pas que nous, on en a un petit peu soupé, enfin, en tout cas à titre personnel. Moi, je me suis engagée en politique et ce qui m'a beaucoup gênée, en fait, c'est ce côté, on a une idéologie qui est déjà préfixée et ça empêche la remise en question, ça empêche d'être dans le vrai. Parce qu'à partir du moment où on se fixe une idéologie et où on essaye de faire coller la réalité à celle-ci, ça peut qu'aller mal, en fait. Et je pense que c'est notamment le problème des opposants à Macron aujourd'hui, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans l'idéologie que dans le réel. Et pour nous, la politique doit partir du réel, elle doit partir des besoins réels, de la réalité. Et c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir à entendre, ça demande énormément de remise en question. Et parfois, la réalité, c'est aussi des baffes dans la gueule. Mais ça permet aussi d'avancer. Et je pense que oui, la politique est plus, à l'heure actuelle en tout cas, c'est plus une question de bon sens qu'une question d'idéologie. Il y a trop d'idéologie, le résultat. Dans le livre, vous dites aussi que gauche et droite sont des termes employés pour désigner métaphoriquement des visions du monde. Oui. Le clivage droite-gauche, il n'a plus de sens pour vous? Dans la mesure où qu'est-ce qui est de gauche aujourd'hui, c'est quoi? Vous dites c'est quoi être de gauche? C'est Valls, c'est Staline, c'est Raphaël Glucksmann? Ou être de droite, c'est quoi? Est-ce que c'est être pour le libre-échange? Est-ce que c'est être plutôt traditionnaliste conservateur?
à l'origine, ces mots-là étaient utilisés pour effectivement représenter des visions du monde assez définies dans lesquelles on pouvait se reconnaître chacun, plus ou moins. Là, à l'heure actuelle, ces mots, de fait, ne veulent plus rien dire. Ça ne veut pas dire que les idées ou que les visions du monde n'existent plus. Mais par contre, de fait, qu'est-ce qui est gauche, qu'est-ce qui est droite, hein, c'est plutôt vous. Vous en riez dans le livre, mais c'est vrai qu'on vous, reproche parfois d'être trop démagogique ou même parfois populiste. Ça qui vous... c'est qui reproche ça, ça J'ai lu dans des commentaires de vidéos D'accord. qu'il y a beaucoup de démagogie dans la manière où vous faites votre démonstration. Et même dans le livre, il y a des fois où, parfois où vous dites on va nous dire qu'on est des populistes. Ça vous va le mot populiste? Je sais pas en fait, moi c'est les étiquettes que je rejette. J'en ai marre de devoir. J'en ai marre qu'on me colle des étiquettes et j'en ai marre de devoir agir selon le rôle que les uns et les autres me collent. Enfin, si j'écoute les commentaires sur internet, pour certains je suis une sale fasciste, raciste, homophobe, tout ce que vous voulez. Pour d'autres, je suis une sale gauchiste qui fume des pétards sur les escaliers de je sais pas quoi. Non, c'est hallucinant. Et du coup, il y a un moment, il va peut-être falloir s'accorder sur ce qu'on est. Et peut-être que juste on ne rentre pas dans ces cases-là, on n'a plus envie de rentrer dans ces cases-là. Nous, on veut être dans le présent, on veut être dans le réel. Et populiste si vous voulez. Après, le populisme, c'est quoi? C'est pareil, là, à l'heure actuelle, le mot populiste, c'est un mot qui est employé notamment par la Macronie pour qualifier à peu près tous les gens qui sont en désaccord de fond avec eux. Si vous regardez, François Ruffin est un populiste, Marine Le Pen est populiste, tout le monde est populiste, voilà. Ça n'a pas de sens. Donc, Vous dites aussi que les débats sont mal posés et vous prenez notamment l'exemple de l'immigration et de l'Europe. Qu'est-ce qui ne va pas sur ces deux thèmes? Oh, ben là, on ne va pas avoir assez de 10 minutes. Hein. Mais dans le livre, c'est vrai que vous dites les débats sont souvent très mal posés et les deux thèmes que vous déclinez, c'est l'immigration et l'Europe. Parce que c'est des sujets qui clivent justement dans toutes les formations politiques qui justement défont les clivages politiques. Bah, c'est des sujets effectivement extrêmement clivants parce qu'il y a d'un côté un ressenti et il y a le discours dominant. Et de fait, le discours dominant, le discours du pouvoir, ne répond pas au ressenti. Et on se retrouve au final avec un débat qui se clive, je vais prendre l'Europe par exemple, on se retrouve avec un débat qui se pose en termes de est-ce qu'on est pour ou contre l'UE, alors que pour nous, en fait, il faut le poser dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que l'UE est pour ou contre les citoyens. Mais pour savoir ça, il faut déjà avoir un projet concret pour la France. Moi, je ne suis pas contre, par exemple, l'Union européenne par principe. Ce n'est pas idéologiquement, je suis pour, je suis contre. Je regarde dans la réalité, est-ce que, déjà, est-ce qu'il y a un projet à avoir pour la France? Il y a une ébauche 99 mesures qu'on propose, oui, justement. Dans le livre, à la fin du livre. Ouais. Voilà, dans ce cadre-là. Et à partir de ça, en fait, déterminer si l'UE, ça agit dans les intérêts de la France, ce que je ne pense pas personnellement, mais ça, c'est à chacun de se faire son opinion, et où est-ce que appliquer un projet pour la France qui soit vraiment de justice, de démocratie, on va dire d'efficacité, enfin, au sens établir des cadres communs qui permettent que ce pays ne soit pas dans la guerre civile, est-ce que c'est possible dans le cadre de l'Union européenne telle qu'elle est? Mais plutôt, enfin voilà, on a le débat qui se polarise entre les gens qui sont pour ou contre l'UE, on a l'impression que c'est par principe, et de fait, on ne peut pas sortir par le haut de ce débat-là si on ne se pose pas d'abord la question de qu'est-ce qui serait bon pour le pays. Alors face au chaos que vous décrivez dans le livre, vous dites « nos dirigeants sont nuls, on les remplace par d'autres, simples, basiques », et vous dites qu'il n'y a que deux options de rechange possibles pour remplacer Macron, c'est Mélenchon ou Le Pen? Dans les options, on va dire... crédible en termes de... Mais ils ne font pas partie du système ? Bien sûr que si. Ah ben si, c'est juste ce qu'on dit dans le bouquin, c'est qu'à la fois Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont deux éléments dans cette comédie, sont deux acteurs en fait sur cette espèce de pièce de théâtre qui est en train de partir en couille totale. Pardon pour le... Mais ce sont deux personnages en fait... qui passent leur temps à devoir satisfaire l'idéologie à laquelle ils sont rattachés, à fantasmer une France qui n'existe pas, puisque de fait, il n'y en a aucun des deux qui prend en compte la totalité du réel, et qui passent leur temps, en gros, à refaire cette mauvaise version de la bataille de Stalingrad en permanence, et qui, ne pourront pas dépasser en fait, leurs électorats maximo.
Et ils ne pourront pas dépasser ça. Ils ont, je pense, atteint leur plafond de verre. Je pense que, voilà, et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne pourront pas dépasser les scores énormes hein, qu'ils ont fait aux dernières élections. Et que, par défaut, au-dessus, mais ça se joue toujours à très peu de choses, il y aura toujours Macron qui rassemblera un tout petit peu plus de monde. Ou en tout cas, enfin, pour le moment, parce que c'est ce qui fait quand même moins peur par rapport à les extrêmes, ce que vous voulez. Macron fera toujours un tout petit peu moins peur. Même si les gens ne sont pas du tout satisfaits de Macron, les gens vont continuer à voter Macron par défaut. Parce qu'entre le chaos qu'on connaît et celui qu'on ne connaît pas, avec des gens qui sont quand même assez clivants dans leur position, bah, c'est Macron qui va continuer de ramasser. Donc nous, on pense qu'il faut dépasser ça. Alors vous dites qu'il faut dépasser ça, et dans le livre, vous faites aussi des propositions. Vous l'avez dit, il y a 99 propositions, 100 propositions même. Vous dites qu'on peut être militant, on peut faire des vidéos, tout ça est très utile, mais qu'il faut à un moment donné aussi savoir s'engager. On va y venir. Mais les Gilets jaunes, pour vous, c'est aussi un mouvement inédit qui participe justement de cette recomposition de la vie politique qui vous plaît ? Ouais, après, il ne suffira pas. Les Gilets jaunes seront dans les livres d'histoire comme le prélude à quelque chose. Les Gilets jaunes ont montré qu'il était possible de se parler au-delà des étiquettes, puisque dans les Gilets jaunes, il y a des gens de tous les bords politiques et ils ont réussi à s'accorder sur des mesures justement de bon sens, sur des propositions de bon sens. Après, je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut que les gens qui ont un tout petit peu d'influence prennent leurs responsabilités et proposent des choses qui aillent en ce sens. Parce que les Gilets jaunes ont formulé des demandes latentes dans la société, qui ne sont pas des demandes émanant de schémas idéologiques, mais qui sont des choses de bon sens pour améliorer le quotidien. Et ça, je pense que voilà, la majorité des gens dans ce pays est capable de le comprendre. Et d'ailleurs, une majorité de gens est d'accord avec la liste des revendications qui avait été publiée en fin novembre, début décembre. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il faut juste qu'il y ait des représentants, des gens qui ont un tout petit peu d'influence, qui puissent pousser à ça. Si vous regardez la Révolution française, s'il y avait eu que les émeutes de rue, les émeutes de la faim pour, enfin, contre l'augmentation du prix du pain, Ça n'aurait abouti à rien, ça aurait été des manifs tous les samedis. Et de fait, là, moi, je me pose quand même une question, où sont les représentants, en fait? Où sont les gens qui peuvent porter cette parole-là, cette parole de bon sens, dans la sphère politique qui puisse permettre que ces demandes-là soient traduites et enfin, transformées en loi qui permettent à tout le monde de vivre mieux? C'est le sens du mouvement que vous lancez, justement. C'est aller à la recherche des personnes, de ces personnes influentes qui doivent prendre leurs responsabilités pour porter les propositions que vous présentez dans le livre, d'ailleurs. Ben, je ne sais pas si on est à la recherche de... on estime que nous, on a une toute petite fenêtre d'opportunité en ce sens pour proposer des choses. Donc, on apporte notre pierre là-dessus. Mais disons qu'on, je pense qu'on a dépassé le stade où on va aller chercher les gens, attendre après les gens. On en a assez en fait de dire ce qu'il faudrait que les gens fassent et on veut faire. On veut vraiment faire, on veut aider, on veut contribuer à quelque chose, on veut contribuer à construire quelque chose. Donc, il y a vos propositions, vous avez déclaré aussi au début février sur une de vos vidéos votre candidature aux européennes. Oui. Il y a le lancement du mouvement. Oui. Vous allez faire partie du système bientôt ? Je sais pas. Déjà, c'est peu probable, je vous le cache pas, qu'on puisse se présenter aux élections européennes, puisque le petit jeu est quand même très bien rodé. Ça fait 4 mois qu'on bataille, en fait, pour ne serait-ce qu'avoir un compte en banque, l'ouverture d'un compte en banque. On n'est même pas en train de parler de financement, de prêts, etc., parce que ça, c'est aussi un problème. Mais nous, on comptait même pas demander de prêts à des banques, quoi. On était en mode campagne low cost, comme on est, et on va faire ce qu'on peut et ce qui est possible, parce qu'on ne veut rien devoir à d'autres gens que les gens qui sont avec nous. Donc on ne voulait rien voir aux banques, mais ne serait-ce que d'ouvrir un compte en banque, en fait, c'est déjà la guerre, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est très peu probable qu'on puisse ne serait-ce que se présenter, parce que bon, là, ça commence à être un délai assez court, finalement, pour pouvoir, bah, y a quand même besoin d'argent pour faire une campagne électorale, il faut imprimer soi-même tous les bulletins de vote, toutes les affiches. Donc vous allez vous concentrer sur la structuration du mouvement, et puis continuer vos vidéos. Ouais, on va se concentrer, bah, pas juste du mouvement au sens parti traditionnel. Voilà, nous, ce qu'on veut que le mouvement soit, c'est pas juste un parti comme les autres qui ressort à chaque élection du placard et qui dit ah bah voilà nos propositions, on vous les amène sur un plateau. Nous, ce qu'on veut faire, c'est contribuer à aider. Donc évidemment, ça passe aussi par les élections
étant donné que pour changer la réalité dans ce pays, il faut aussi changer les lois à un moment, pour qu'elles cessent de favoriser toujours les mêmes notamment. Mais surtout, on veut montrer qu'il n'y a pas à attendre les élections pour se prendre en main, pour reconstruire un réseau d'entraide. Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout ça en fait, c'est recréer du lien entre les gens, contribuer à recréer du lien, à aider, l'agriculteur qui a eu ses récoltes détruites par une catastrophe climatique, aider la personne isolée qui n'a plus de transport, qui n'a plus accès aux médecins, aux bureaux de poste, aux services essentiels de la vie. Nous, on veut montrer qu'il n'y a pas... Il n'y a pas à attendre en fait les élections, même si ça passera forcément par là pour pouvoir changer le système, mais c'est pas la fin, c'est le moyen en fait. Merci beaucoup Tatiana Ventose. Merci à vous.